Salut à tous, cette fois nous y sommes, dimanche 16h10, 7e course de la Réunion de Vincennes, c'est le Grand Prix d'Amérique avec 18 partants au départ. Nous allons parler du grand favori, Festin Bourbon, mais également de ceux qui peuvent espérer le battre et Dieu sait s'ils sont nombreux. En voilà une bonne question. Festin Bourbon coche beaucoup de cases. Il a 5 ans, il présente un palmarès sans faute, il a couru 21 courses, en a gagné 18. Cela étant, si on cherche la petite bête, on note qu'il n'a pas couru depuis 5 semaines. On se dit qu'il vient de remporter le Critérium Continental, mais qu'il aurait peut-être pu être battu si ce dernier ne s'était pas mis à la faute par Campo Bahia. Cela étant, il présente sur le parcours des statistiques qui sont élogieuses, et notamment un record de 1-11-2 qui n'est autre que celui du Grand Prix d'Amérique. Autrement dit, c'est un favori logique, mais attention, les courses, il faut les gagner. Alors, ce ne sera pas mon préféré de l'Armada JMB, ce sera mon favori tout court. Une mauvaise langue a dit, c'est Franck Ouvrier au sulky, mais si ça avait été toi, tu gagnerais de la même manière. Et c'est vrai que dans le Prix de Belgique, Davidson Dupont a crevé l'écran, a cassé pas mal de paires de jumelles en venant finir troisième, tout à l'extérieur, alors qu'il était ferré. Ici, il se présente en conditions physiques optimales, il est déferré des quatre pieds, et à mon sens, il va gagner. Alors c'est vrai que si on cherche un outsider séduisant, on peut aller voir du côté des secondes chances. Mélina Jocelyn, Propulsion, Bold Eagle, éventuellement Delia du Pomereux. Mais on peut aussi s'intéresser à quelques cross-cotes, et notamment à la candidature de Bayakeno, qui est la protégée de Junior Guelpa. Elle a fait, comme beaucoup d'autres, l'impasse sur le Grand Prix de Belgique pour se présenter avec beaucoup d'influx au départ de ce Grand Prix d'Amérique. Elle adore ce parcours, les parcours de tenue, elle possède de la vitesse. Elle a, à mon sens, beaucoup de maniabilité pour terminer à l'arrivée du Grand Prix d'Amérique, deuxième, troisième, quatrième ou cinquième, à une cote qui sera voisine, voire supérieure, de 50 contre 1. Ma sélection pour le Grand Prix d'Amérique, vous le savez, mon favori n'est autre que le 7 Davidson Dupont, on le place en tête. Attention aux 17 propulsions préparées pour son grand retour sur la cendrée de Vincennes, directement dans le Grand Prix d'Amérique, comme il y a quelques années un certain Maradja, qui était suédois comme lui. Au troisième rang, je place Bélina Jocelyn, la lauréate du Grand Prix de Belgique, obligée de faire avec la candidature du favori, Festin Bourbon, que je place au quatrième rang, et ensuite Bayakeno, mon outsider séduisant, et on termine cette sélection de 6 avec Delia du Pomereux, que drive Franck Nivard. Allez, on va jouer 15 euros. 15 euros pour gagner gros. On commence avec un jeu simple. 2 et 2, gagnant placé sur Davidson Dupont, le numéro 7. Ensuite, un jumelé, gagnant placé, mise de base de 1 euro, ça va nous en coûter 6, avec Davidson Dupont, Propulsion et Bélina Jocelyn, ça nous fait 7, 17, 16. Et ensuite, nous allons faire un champ réduit au trio. C'est-à-dire que nous allons prendre deux chevaux de base, le 7 Davidson Dupont, le 17 Propulsion, et ensuite nous allons en mettre 5. Donc, ceux que nous avons retenus dans notre sélection, le 16 Bélina Jocelyn. Le favori, c'est le 9 Festin Bourbon. Nous allons retenir Delia du Pombreau, le numéro 6, Bayakeno, le numéro 8, et mon chouchou quand même, parce qu'il peut terminer troisième dans un grand jour, c'est le 18, Bold Eagle. Eh bien voilà, ce programme est déjà terminé. Rendez-vous avant le Grand Prix de France ou le Grand Prix de Paris, les deux autres épreuves majeures qui nous attendent sur les forums de Vincennes. En attendant, rappelez-vous cette promotion, la course aux jumelés, 10 000 euros à partager entre les gagnants. Et les gagnants, ce seront ceux qui auront trouvé, lors des 20 courses organisées à Vincennes ce samedi et ce dimanche, un jumelé gagnant et 3 jumelés placés. Vous êtes éligible à la cagnotte et on partage entre les gagnants. C'est facile, jouez bien sur Unibet.